Pour l'heure, du côté des syndicats, pas d'inquiétude sur un éventuel transfert pour l'Allemagne des chaînes d'assemblage de l'A320. Le projet, de toute manière, est acté depuis 10 ans. Airbus n'ayant jamais fait mystère de sa volonté de concentrer l'assemblage de ses appareils monocouloirs sur son site d'Hambourg. En revanche, les salariés redoutent de voir partir également outre-Rhin le bureau d'études de Saint-Martin-du-Touche. Pour l'heure, la direction dément l'information. La seule certitude est que ce départ appauvrirait considérablement le pôle toulousain en matière de recherche-développement. La 320, appareil vieillissant, fait partie des projets d'avenir d'Airbus qui compte le moderniser pour le faire durer au moins jusqu'en 2020. 1 milliard sera investi pour notamment le rendre moins gourmand en carburant. La 320 est aujourd'hui l'appareil le plus vendu d'Airbus. Depuis 1987, il s'en est vendu 6 500 exemplaires, 4 000 sont toujours en activité.